Salut les loups. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un info qui va être ciblé corps et bas du corps. Ok, on va avoir trois parties dans ce renfo. Pour la première partie, on va avoir un aimant de 12 minutes. 12 minutes avec 3 exercices. Et dans ces minutes, je vais vous demander d'être actif 30 secondes et de récupérer 30 secondes. Première minute, on aura 30 secondes de V-up. Deuxième minute, 30 secondes de side plank. Troisième minute, 30 secondes de hollow hold. Et on commencera ça donc sur 4 tours. Ensuite, vous me prenez 3 minutes de récup. Et là, on part sur le renfo bas du corps. Tabata. Donc vous aurez 8 tours, 20 secondes actives, 10 secondes de récup. Premier exercice, CC squat. Deuxième exercice, pardon, squat jump. Ok? Donc ça vous fera 4 tours de chaque. Vous me prenez de nouveau 3 minutes de récup. Et là, on partira sur 3 tours. Une minute de chaise suivie de 10 à gauche, 10 à droite, bulgare squat. Vous pouvez vous aider d'un canapé, d'une chaise, d'une table. Moi, je vous montrerai ça avec le canapé. Donc maintenant, je vous montre les exercices. On commence par les mêmes 12 minutes avec les 3 exercices du renfo corps. Donc le premier, le V-up. Le V-up, donc vous prenez un tapis, on va venir s'allonger. Hop, n'oubliez pas le bas du corps, d'accord? Donc au niveau du bas du dos et du haut des fesses, il reste bien actif sur le sol. Donc pour ça, on rentre bien les abdos. Vous tendez les jambes, vous tendez les bras derrière. Et on va venir chercher donc à aller toucher ses pieds avec ses mains. Je suis là et je vais venir chercher mon V-up ici. Si c'est trop compliqué, je fais la même chose, jambes pliées. Je suis là et je viens chercher à faire une fermeture au niveau de mes genoux. Ensuite, on part sur le side plank. Donc side plank, on part sur une planche latérale. Vous mettez sur votre coude, l'épaule au-dessus du coude. La jambe au-dessus vient se placer devant la jambe du dessous et elle va venir se placer ici. Là, votre hanche, elle est vers l'avant et elle va venir descendre vers le bas et monter en haut. Et ça, vous allez être actif sur 30 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je relâche. Le tour d'après, vous pensez à changer de côté. Là, j'ai fait bras gauche, le tour d'après, vous ferez bras droit. Ensuite, on part sur hollow hold. Hollow hold, on n'oublie pas, pareil. Je viens chercher à rentrer le bassin. Je viens chercher à lever mes épaules. Ok, une fois que je suis là, je vais venir tendre les jambes et je vais venir chercher à descendre en bas de jambes. Je tends les bras derrière si j'ai la possibilité de le faire. Sinon, vous restez là, vous pouvez plier une jambe pour alléger le mouvement ou plier les deux jambes pour alléger le mouvement. Mais vous gardez bien les épaules décollées du sol. Ok? Donc ça, c'est beau. 3 exercices pour le renfo corps. Maintenant, on part sur le bas de jambes. Bas de jambes, on va être sur le CC squat et sur les squat jumps. Donc, CC squat, vous pouvez vous aider d'un support. Ok, c'est là pour brûler vos quadriceps. On part largeur bassin. Votre poids est sur la plante de pied, non pas en talon. Vous venez chercher à serrer vos fesses le plus fort possible. Et on va venir pousser les genoux vers l'avant et basculer les épaules vers l'arrière. Je suis là et je vais venir chercher à pousser les genoux et à basculer vers l'arrière. Ça, vous allez tenir pendant 20 secondes. Pensez à garder les genoux bien l'un vers l'autre. Ensuite, vous avez vos 10 secondes de récup et on passe sur les squat jumps. Pointe de pied vers l'extérieur, épaule basse, le regard loin devant. Je viens chercher à casser la parallèle et je viens chercher des petits sauts. Ok? 3 minutes de récup, vous partez sur l'autre exercice du bas du corps. Là, on part sur une minute de chaise, donc un support ici. Je viens chercher largeur bassin, je positionne mon bas du dos contre le mur. Je viens me mettre à 90 degrés. Entre mon mollet et ma cuisse, mes bras le long du corps et je tiens ça pendant une minute. Une fois que j'ai fait mes une minute, je vais donc m'aider de mon canapé pour venir placer ma jambe arrière, ma jambe gauche sur le canapé. Pensez à garder le poids sur la plante de pied. Sur le bulgare squat, vous n'oubliez pas alignement genou, hanche, épaule. D'accord? Donc pour ça, serrez votre fesse pour être actif. Une fois que je suis ici, je viens chercher à plier ma jambe avant pour venir descendre ma jambe arrière et je remonte. Pensez à serrer la fesse quand vous remontez. Ici, je descends et je remonte. Vous me faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Une minute de récup et vous recommencez ça sur 3 tours. Voilà pour vous les loulous, ça c'est la séance renfo pour aujourd'hui. Je vous dis amusez-vous bien et à la prochaine.